Elle a été construite entre 1925 et 1931 pour transporter troupes et minerais. Les vastes plateaux arides et somptueux du sud de l'Oriental pour vivre une expérience inédite de ce transsaharien, jadis utilisé pour le transport des troupes militaires et des minerais de la région. L'Oriental Desert Express, qui emmène en de rares occasions quelques touristes curieux à travers les paysages arides et somptueux du sud-est marocain, ses enchaînements de hauts plateaux et de djebel, est en réalité un train fossile. Il s'agit du fantôme ressuscité d'un projet grandiose de l'empire colonial français, le transsaharien ou Méditerranée Niger, ou encore mer Niger. Cette ligne de chemin de fer, le moyen de transport le plus sûr et le plus rapide, aurait dû traverser le continent africain et servir dans un premier temps au déploiement des troupes, à leur approvisionnement, puis au rapatriement des richesses coloniales vers la France. C'est aussi pour cette raison que les producteurs de James Bond l'ont choisi pour le tournage d'une scène de Spectre. Daniel Craig invite Léa Seydoux dans un romantique wagon-restaurant, avant de finir par une inévitable bagarre avec les méchants au-dessus des rails. Un train a été spécialement aménagé pour le tournage, mais la ligne et les paysages sont restés les mêmes. On commence par quelques dizaines de kilomètres de plaine fertile, puis on monte, on passe le tunnel de Thiouli, et après c'est de plus en plus désertique, décrit Eddie Kunz après avoir fait le voyage une quarantaine de fois. L'aventure d'Eddie commence en 2004. Le Suisse négocie avec l'Office National des Chemins de Fer Marocain ONCF afin de faire circuler pour les touristes une locomotive et quelques wagons, dont un de première classe climatisé et un autre des années 1960 duquel il est possible de prendre des photos vitres ouvertes. Le premier voyage était loin d'être rentable, se souvient le Suisse, qui loue la rame toujours la même tirée au coup par coup à l'ONCF. Les voyages se sont enchaînés, au rythme de 5 à 6 les bonnes années. Pendant le trajet, le paysage défile lentement. La vitesse est limitée à 50 km/h et descend parfois à 10 km/h. Le train doit même s'arrêter quand le sable envahit les voies. Une équipe de cheminots armés de pelles descend alors pour dégager les rails. Après son départ tôt le matin de la gare d'Oujda, le train s'arrête à la bifurcation de Beni Oukil, distant d'une quinzaine de kilomètres. C'est un arrêt obligatoire où doit lui être délivré un document écrit l'autorisant à rouler sur le tronçon qui va jusqu'à Bou Harfa. Ce voyage est en effet exceptionnel, la ligne ne servant plus que pour ce convoi, qu'il emprunte 3 à 4 fois par an. Il est fréquent que les rails soient ensablés ou qu'une tempête se lève sur ces grandes étendues désertiques, et qu'il faille alors arrêter le train et désensabler les voies. Après Gafouda, nous traversons le tunnel de Thiouli, construit en 1931, puis la voie ferrée monte jusqu'à 1300 mètres. Elle atteint alors la ville d'Aïn Beni Matar, bâtie à 925 mètres d'altitude sur les hauts plateaux où pousse l'alfa, brûlant en été, balayé par les vents glacés en hiver. C'est un point de rencontre pour les tribus bédouines de la région, les Beni Gil, une sorte de plaque tournante du commerce de bétail. C'est aussi le site de la première centrale thermosolaire du Maroc et d'Afrique, inaugurée en 2010. Autres arrêts, prévus cela, dans les gares abandonnées restées intactes, vestiges de l'époque coloniale. Eddie Kunz voudrait rénover l'une de ces gares, pour en faire un restaurant où le train s'arrêterait à l'heure du déjeuner où pourraient travailler les habitants. Pour la plupart des clients européens qui viennent de l'étranger, et paient un forfait global incluant le coût de la balade. Le rythme, le son, la chaleur, la lenteur du train créent une ambiance inouïe. On est totalement bercé par cette atmosphère. C'est la steppe devant, derrière, à l'infini. Un dépaysement total. Pour l'instant, les repas sont servis dans le train, Aziz, le cuisinier, a installé ses réchauds dans un wagon et y prépare tagine et thé à la menthe.
L'objectif d'Edicunes, pour l'année prochaine, est d'organiser 4 nouveaux voyages et de pouvoir, à terme, proposer son train du désert à un plus grand nombre de touristes, en particulier aux Marocains. Longue de plus de 300 km, cette ligne tirée par une locomotive diesel permet des escales dans plusieurs localités, dont Andrara, Beni Oukil ou Aïn Beni Matar, offrant aux passagers l'occasion de découvrir l'oriental.